Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, petite vidéo exceptionnelle. On va voir de ce dont on va parler. Je ne sais pas encore, ça dépendra du sondage. En tout cas, merci à ceux qui m'ont dit pour le son. Généralement, il y a eu un retour très plus que positif, hein, notamment Cafard Connection qui me dit 25 dB, c'est parfait, mais il faut paramétrer dans les filtres. Alors j'ai mis, enfin j'avais mis gain moins 10 dB si ça vous parle. Et suppression du bruit, truc comme ça. C'est pas encore parfait, mais on s'approche. Mais ce qui m'inquiète, c'est lorsque je vois ma console, tout est rouge, ça monte au rouge. Est-ce que ça sature de votre côté ou pas? Mais en tout cas, ça a l'air mieux. En tout cas, j'ai plus à forcer. Je parle normalement. Et le son est super clair. Bon, sinon, on y va. Le thème d'aujourd'hui. Ah ouais, on avait dit qu'on allait regarder dans la communauté. De toute façon, la volume du son, 25 dB. Bah merci. Merci à tous. Vous avez voté en masse pour une fois 30 votants. Ah, il y a les trolls là. Volume du son, n'importe. Je regarde la vidéo en mute. Vu que ce sont des podcasts, les gars, si vous regardez ça en mute, il y a un truc que je comprends pas. Ah, est-ce qu'on allait reparler du bouseux? Bah, vous ne voulez pas. Ou tant pis. Ah, j'allais faire un truc gratiné, mais bon, c'est comme vous voulez. C'est vous qui choisissez, comme on dit. Bah, vous inquiétez pas, j'ai en réserve un petit sujet dans l'escarcelle. C'est à propos des cafards, des trolls, hein, parce que j'ai vu des... Bon, de toute façon, il y a tout le temps, tous les jours, des commentaires gratinés. Là, j'attends celui-là d'aujourd'hui. Apparemment, bon, voilà, il y a des gens quand même qui aiment bien les petites vidéos. Qui est intéressante, et bah oui, je vous fais pas dire, c'est ça que je veux voir. Là, j'ai commenté, là, le mood, toujours là, le mood 76. Bon, si on pouvait la fermer directement, définitivement. Je sais pas de quoi il parle. Bon, à part ça, tout va bien. Luc, moi, merci pour tes commentaires. Ah, Dr Jim. D'accord, ça c'est du troll. J'avais pas vu. Je t'ai arrêté en haut là. Alors, attends, j'ai pas répondu en haut. Si j'ai répondu. Et là, 135 dB depuis Schnorr. 135 dB, ouais, vous allez avoir les oreilles qui saignent. Je crois que c'est l'équivalent si vous êtes en aéroport comme ça. Bruit d'un avion décollage. Il y a un délire comme ça et là, vous tuez les oreilles. Si ce n'est pire. Voilà, thanks for sharing. Et voilà. Et là, du coup, la vidéo de rechange pour ce mardi, c'est... Alors, c'est un cafard d'un insecte, on va dire. Un insecte d'un genre nouveau. Un pur produit de l'évolution cafard. Le lézard qui grimpe au mur. Oui, c'est pas un lézard tout simple. Il est assez spécial. Quoique, je crois que c'est leur spécialité, hein, de grimper au mur. Et on va voir ce qui nous dit en tant que commentaire. Alors, j'ai lu ça, voilà, ça m'a fait hérisser les poils encore. Il y a encore des gens comme ça qui sont là pour raconter n'importe quoi. Encore si c'est du troll gentil, là, comme certains, là, comment il s'appelle, le papa. Papa Marquis, au moins on peut rigoler, mais là c'est des trucs qui sont énervants pour la chaîne. On veut plus voir ça. Ça pourrait faire partie de ce qu'on veut pas voir, ce qu'on veut pas voir sur la chaîne. Alors ça commence. Il dit en gros, tu n'as pas l'air de comprendre. C'est drôle de t'écouter, d'analyser un graphe. T'es un pauvre vraiment. Tu as raté des cours car ton analyse relève de l'amateurisme pur. Alors ça c'est. Alors ça, je crois que c'est. Je crois que j'ai pas vu ce commentaire. Je voulais commenter un autre. Alors si t'as des analyses propres à nous faire partager, hein, nous faire partager ta culture, bah, n'hésite pas à faire des vidéos. Bien évidemment, si on clique dessus, on sait pas trop. Ouais, du François Radical, du Serpillière, du Réveil Conspi, du Zincoin Ali. Et Ali te raconte, voilà, ça c'est. Les sorts qui grimpent au mur, c'est ça. C'est rien d'autre. Hein. C'est pas des analyses, c'est pas des cryptos, c'est rien de tout ça. Donc il vient quand même se la ramener sur la chaîne pour nous dire je sais pas quoi. Après voilà, c'est pour exciter les cafards après qu'ils répondent. Non mais il a mis plein de commentaires, on a dit c'est un truc de dingue. Perma construit par la force de son poignet. Bon j'avoue ça c'est marrant. Et cet homme ne fait que parler. C'est le type d'homme qui dit avoir tout vu, mais qui a 5 ans. Temps sont fauchés. Ben, il y en a beaucoup hein, qui ont beaucoup réussi, qui ont eu des maisons, des baraques, plein de choses, et après,
rattrapé par la patrouille, hein, que ce serait-ce que les impôts, que ce serait-ce, bah, je sais pas, des trucs en justice. Il y a plein de choses qui nous font aller vers la case départ, ou même plus souvent, il y en a qui font du all-in dans les cryptos, mais dans les actions anciennement, et qui se retrouvent fauchés du jour au lendemain. C'est des choses qui arrivent. Toi, on va te voir à 50 ans, comment tu vas être? J'ai envie de voir. C'est le genre d'homme qui rate tout, mais ce n'est qui n'est jamais de sa faute. Bah, au moins, lui, il essaye de s'en sortir, de faire des petits plans. Toi, t'es juste là à commenter, on dirait. Attends, est-ce que je vais remonter? Ah, voilà, c'était le commentaire, mais il est revenu plusieurs fois, c'est un truc de dingue. Voilà, alors, je crois que c'est le commentaire du. Voilà, là, il est parfait. Voilà, c'est le petit aparté sur le son. Bon, juste pour dire, le soft actuel coupe les crêtes sonores avant la saturation, le problème principal. Le problème principal est d'être audible lorsqu'on s'adresse au public. Oula, mais d'accord, bon, c'est trop long, cafard. Faut synthétiser les choses parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de dire tout ça. Ah voilà, là, alors le spécimen, là, c'était l'analyse du spécimen, c'est là. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il fait un commentaire, il se répond à lui-même. Ça, c'est génial. 2 heures après, quoi. Je crois qu'il a oublié qu'il a mis son commentaire et il répond à lui-même, c'est un truc de fou. Alors, sans te vexer, déjà quand une phrase commence comme ça, c'est qu'il va avoir de la vexation dans l'air. Permettre un boulet, voilà, c'est direct, direct le gars. Bon, déjà, première vexation. Tu te fais allumer car ce mec est un incapable. Voilà. Deuxième vexation encore, mais je crois que ça va être vexation sur vexation. 2 ans à parler crypto et il est à côté de la plaque, voilà. Troisième. Mais c'est incroyable ce lézard, j'ai jamais vu ça. C'est un cas. Chaque phrase, c'est un truc, c'est un cas social. Ok, quatrième, tu donnes l'impression de ne pas vivre sans lui. Cinquième, parce que moi, je vous dis, je fais des petits lives, voilà, 2 heures par semaine et c'est bon, hein, je fais autre chose de ma vie. Sympa la partie 1, on te voit en vidéo. Voilà, je crois que ça va faire partie de la sixième vexation. Je croyais que ça avait 18 ans. Voilà, ça fait 5, 7, voilà, 8, 7 vexations sur le commentaire. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. C'est pour ça que ça m'a un peu interpellé, ce petit lézard, faut pas le laisser. Proliférer sur la chaîne, hein. Il ne manquerait plus qu'il copule avec un cafard. Mais là, non, 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 t'es mal tombé parce que on va même faire un petit sondage avant que j'oublie. On reviendra vers la suite. Mais vous voyez ça, des trucs comme ça, on peut pas laisser ça sur la chaîne. On peut pas. Je suis désolé. Je suis désolé là. Le cafard, le lézard qui monte les murs. Alors, un ban. On va faire un petit ban. Un ban et un. Comment ça s'appelle? Et un shadow ban. Et un shadow ban pour ce lézard qui monte les murs. Lézard qui monte. Alors pourquoi il y a un accent? Il y a un accent qui monte les murs. Et autre spécimen du genre. Hein, parce que s'il va peut-être faire un autre pseudo où il va dire ouais, mais c'est pas moi. Et autres spécimens du genre. Alors, un chat qui monte les murs de la chaîne. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Ça sera le public qui aura voté. Dit non, vous voulez pas voir ça non plus. Enfin, j'espère. Je prends des risques, hein. Mais non, je pense que ça va aller. Ça va aller. Alors, on va mettre d'abord non. Toujours orienté le sondage. Hein. Et oui. Voilà, un ban et un shadowman pour cet qui monte les murs de la chaîne. Au moins, c'est clair, net et précis. Alors, réagissez nombreux, et surtout ne vous laissez pas faire parce qu'il va y avoir du troll. Donc pour contrer les trolls, faut voter. Pour les gens sérieux, je m'adresse. Et après. Ah, il répond. Je croyais qu'il se répondait à lui-même. Il y a 11 réponses. Voilà. Et après, voilà, et après, ce qui est fou, c'est que voilà, c'est parti. Ça se parle entre. Ça fait un petit groupe comme ça, mais les gens veulent pas voir ça. Tu as vu la vidéo, il y a Pougne, je suis étonné, un grand trader. À pas un bureau comme ça. Mais j'étais pas dans mes bureaux, lézard qui monte les murs, j'étais pas dans mes bureaux. Parce que si tu voyais mes bureaux, c'est pas comme ça. C'est des écrans des partout, c'est du graphisme, il y a tout ça. Là, j'étais en mode KGB. Et puis voilà, tranquille, tranquillement sur un live. Et là, vous venez dire n'importe quoi.
Bah oui, il y a du linge. Et puis y a alors. Et moi je veux voir hein, comment c'est chez toi, si c'est pas le foutoir, mais ça c'est. Ça paraît que ça l'est. Pierre, il y a une deuxième. Ah, il y a une deuxième partie, il paraît, d'accord. Ok, faites-vous plaisir. Perma le tire là-bas, il insulte tout le monde, il sait tout, Pougne insulte. Hein, Pougne insulte? Comment ça? Ah oui, insulte personne. J'ai eu peur, j'ai dit, là, ce sera de la diffamation pure et dure. Le perma dans la crypto, point d'interrogation, il n'a pas un centime, et vit. Et vit aussi dans un bouge. C'est quoi un bouge? Bon, ok. Ok, bon, on aura compris le personnage. Le gars, bah, il a mis 0 centime dans la crypto, alors que perma, il a mis quand même beaucoup de billes. Alors, je sais pas pour qu'est-ce qui te permet de venir critiquer, mais je peux voir ça sur la chaîne. En tout cas. J'imagine bon vent, merci d'être passé sur la chaîne, mais va voir ailleurs si j'y suis. Allez, ciao tout le monde.